Madame, monsieur, bonjour. Encore un peu de patience. Le retour de l'été se fera à partir de vendredi, progressivement par les régions de l'Ouest. En attendant, eh bien aujourd'hui, on va à nouveau retrouver un temps instable. Regardez cette image qui a été prise au-dessus de la ville de Nice ce matin, vers 6h du matin, avec des orages qui ont éclaté localement. Alors voici donc la situation générale. On a effectivement cette perturbation que l'on va à nouveau retrouver sur le flanc Est. Et à l'arrière, vous le voyez, eh bien ces nuages qui vont apporter pas mal de pluie cet après-midi. D'ailleurs, regardez ces paquets pluvieux qui vont circuler et même se réactiver, notamment sur les régions centrales, où parfois même on pourrait avoir un coup de tonnerre dans le courant de l'après-midi. Alors voici ce qui s'est passé donc ces 12 dernières heures. C'est vrai que dans certaines régions de l'Est, il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitations entre hier soir et ce matin. Alors on va conserver trois départements en vigilance orange, de l'Alsace en redescendant vers le territoire de Belfort. En raison de ces pluies soutenues, on va surtout surveiller certains cours d'eau qui risquent de réagir. Alors cet après-midi, on va retrouver ce retour d'occlusion qui pourrait se réactiver, notamment du côté du massif central, en donnant quelques orages. La perturbation d'hier que l'on va retrouver sur le flanc est du pays. À noter également le retour de la neige en haute montagne sur les Alpes et les Pyrénées à partir de 2400 mètres. Un ciel dégagé en Méditerranée, mais un vent très fort avec des rafales jusqu'à 100 km à l'heure. Les températures pour cet après-midi de 15 à 31 degrés. Des températures bien en dessous des moyennes de saison, sauf autour de la Méditerranée où là vraiment on a une atmosphère estivale. Alors ce soir, on va retrouver ce retour d'occlusion qui va se décaler vers l'est du pays, vers les régions centrales également, en remontant jusqu'aux Ardennes. Toujours des pluies attendues également du côté des Alpes. Et puis à l'arrière, vous le voyez, encore pas mal de passages nuageux. La situation donc pour demain, on va à nouveau retrouver des pluies en abondance du massif central, en remontant vers les frontières du nord-est. À l'arrière, en temps encore très instable. Et dans l'après-midi, eh bien, le soleil va gagner et grignoter par les régions de l'ouest. Et on va conserver un franc soleil en Méditerranée. Et le vent qui va faiblir au fil des heures. Les températures pour demain matin vont s'échelonner de 12 à 18 degrés. Et dans l'après-midi, eh bien, nous allons gagner quelques degrés au thermomètre, notamment sur les régions de l'ouest. 28 degrés attendus quand même pour la ville de Marseille. Voilà, tout de suite, c'est le journal de 13h. Nathanaël de Ringsin.